Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode de Garbage. Pas Garbage Collector, Garbage tout court. Squash, t'es pas dit bonjour Squash? Mais si, t'es dit bonjour, t'es pas dit bonjour. Je suis vraiment désolé Squash. Et pas encore de crise, jour 117. Ah oui. Ouais, je suis désolé, je crois qu'il y a une sacrée latence quand même là. C'est un petit peu dommage. Ah, la demi-finale des égouts. Bah, on va essayer d'être au taquet, tiens. Je voulais essayer d'avancer les quêtes, mais il y a tellement à faire avec les combats. Ça y est, là, on est soigné, c'est parfait. Niveau froid, on en est où là? 26%, 46%. Tu vas les cuisiner, toi? Je sais pas si ça réchauffe quand il cuisine. Pas vraiment. Allez, c'est parti. Ouh, ils sont trois en face. Lui, il a quoi? Lâcher d'oiseaux. Des oiseaux qui attaquent plusieurs ennemis. Lâcher de rats. Le bouclier de mouche. Le bouclier de mouche. Ça va être complexe. Avec toutes les compétences spéciales là, ça va être compliqué. Ouais. Non. Un de moins. Ils ont leur bouclier qui réduit les dégâts là. Aïe aïe aïe. Ça pique. Alors là, on a l'os fracturé et le saignement. Double punition quoi. Toi du coup, bah écoute, non, va t'entraîner un petit peu en attendant. Hein. Allez, debout. Je crois qu'on va mettre un petit peu de sous dans le feu et on va les envoyer se réchauffer un coup. On pourrait l'améliorer le feu, mais c'est pareil, ça coûte hyper cher. Et oui, Ardarin, il travaille pour la chaîne aussi, Canton. Tout est lié, tout est lié. Ouais, j'ai une attelle. Il devrait que d'ailleurs je me tâte parce que c'est dans l'absolu. Autant le saignement, ça se soigne assez bien. Autant l'os fracturé, c'est relou. On va l'utiliser, allez. Quand même qu'on prenne un petit peu soin de nos gars, surtout s'il y a un truc qui nous tombe dessus là. Ça va. Bon, la finale des ordures, on va peut-être pas la refaire tout de suite du coup. Non, c'est l'inverse, excuse-moi. Toi tu te réchauffes. Toi tu vas dormir. Ok. Tu vas mendier un petit peu. On va essayer de te remettre en pleine forme. J'aimerais bien essayer d'avancer un peu pour trouver un troisième hobo en fait. Parce que à deux, c'est quand même compliqué quoi. J'ai quand même clean plein de zones, mais il n'y a pas moyen de trouver quelqu'un en fait. Ce qui est embêtant. Donc là, on va essayer de se soigner à fond. Et on va aller voir pour faire un petit fight. Et bah merci beaucoup 119. D'ailleurs c'est vrai que faut que je le fasse, je crois que depuis que vous avez changé de chaîne, je l'ai pas fait. On est la nuit, on va aller voir un petit peu ce qu'on a la nuit ici. Alors... Lui il nous vend du pain en échange de ses hosties, ça va pas changer. Il nous vend des graines de patates lui. Oui on prend. Je vais pas looter ce truc apparemment. Ah bah oui il y avait des gens devant. Qu'il fallait que je combatte. Un prêteur sur gage. Ok pourquoi pas. Tiens c'est marrant c'est en anglais alors que hier c'était en français.
On va essayer de leur trouver un nouveau homme chien, mais je dubite un peu sur cette quête quand même. Et du coup, chez Tony Pizza la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plein de trucs. Un autre danseur. Non, ça suffit, on a suffisamment de danseurs. Là, ça dort. Cet endroit demande à se faire dévaliser, qu'est-ce que vous attendez? Ok. Du coup, on peut piquer ça parce que les mecs sont partis dormir. C'est pas mal de repasser la nuit, hein. On peut looter les trucs que les gens protègent la journée. C'est un petit peu salaud, mais ça fait le taf. Par contre, on n'a toujours pas d'électronique. On n'a pas vraiment de fight à faire la nuit. Là, il y a un combat. Réponse qui s'énerve. Waouh, level 12 la réponse. Ah, on peut y aller que tout seul en plus, à une seule personne. Ouais, ça va être compliqué quand même. On est niveau 9 là. Double coup de pied, courir cursif, festive, le percute. Et le coup croissant qui est apparemment un coup rapide plus plus. On va essayer, on va voir. C'est regardable là le chat parce que j'ai quand même l'impression que c'est assez compliqué. Hein. Putain, ils nous repoussent et tout quoi. Ouh, le coup critique. Ça fait plaisir. Au secours, on m'enlève. Mais non, mais je t'enlève pas. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'énerves? Je sais pourquoi, là on lui a apporté ses fleurs et s'est mis à péter un plomb. De toute façon on l'a pas enlevé, elle est pas là. On est d'accord. Non. ok, bah toi continue de te reposer, vas-y. Ah, il se lève pour manger. Bah bravo, bah état d'esprit. Ça coupe un petit peu moins, ok tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ouais, c'est vraiment la dèche. Hein. Des fois ça marche nickel, des fois ça marche absolument pas. Alors, on a eux qui viennent dans 7 heures, mais je pense qu'on va pouvoir se faire un petit combat avant. Alors lui... Ouais, c'est moi, Faidia, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes un guerrier fascinant, réglons ça comme de vrais hommes. Level 12, mais on peut tous y aller cette fois. Allons-y. 4 coups. Ouf. 4 coups critiques, ça serait violent ça. Ça a raté, parfait. Et on la stun. Et bim. Et bim. Tiens, mange. C'est moi que vous cherchez, j'essaie juste de protéger mon peuple et de repousser ses profiteurs. Aidez-nous s'il vous plaît. Normalement il y a un coach de force la nuit ici, je crois. Bah c'est ça qui m'embête le plus, Team 119. Le problème, je crois que c'est que pour réinitialiser ça, j'ai pas le choix. Il faut que j'arrête le stream et que je le relance. Si ça vous dérange pas, je peux arrêter le stream et le relancer. Comme ça, on est bien. On a toujours pas toutes ces graines à lui. Des carottes, on a ce qu'il faut normalement, on va regarder un peu mais... On a ce qu'il faut en ingrédients, ouais. Douze secondes c'est vrai que ça reste supportable. On n'a pas les améliorations hein, avec ce truc là, on les connaît pas. Je sais pas comment on a fait pour connaître les améliorations du lit. On va peut-être récupérer un petit peu d'énergie vite fait. Ah
Allez, je vais couper puis je vais relancer. C'est parti. Hop là, normalement on est de retour. J'espère que vous n'êtes pas tous partis. Re. Ah, il voulait pas se reconnecter. Mais c'est bon, normalement on serait revenu. On va voir si ça se stabilise un petit peu. On est reparti. Alors, du coup. Kenshi, il va aller mendier pour garder son énergie. Là, on va aller dormir. Ça, non, on annule pas. On n'y va pas, pardon, excusez-moi. Ah, du coup, ça l'a enlevé, mais je crois qu'il faudrait qu'on se réinscrive auprès du mec. Ça devrait aller. Faut qu'on fasse les deux events là. Et re-bienvenue, du coup, The Real Haldawin. Le vrai, l'unique. Alors. Ah, la revanche des titans, d'accord. Là, c'est Faidea cette fois. Donc, c'est pas les gamins qui viennent à chaque fois, c'est les gens qu'on a tapés. Alors, en avant. Oh! La vache, son quadruple coup là, quand il passe, il déconne pas. Hein. Grand vol d'ordure, donc on va économiser. Essayer de retaper un petit peu Noah d'ici là. Mais il va falloir qu'il aille prendre une douche, Noah. 5% d'hygiène. Ouais. Faut qu'on rallume la douche, ça. T'auras pas le temps de prendre une douche. Allez, hop. On veut de l'électronique. Cette fois, vous serez gentil de gagner. Bim, bim. Voilà. Bon, un d'électronique, c'est pas fou. Et on trinque au signe. C'est parti. Ouais, je crois qu'il n'y a plus d'eau là. Hein. On va remplir la citerne. Vas-y, profite de ta douche. Dans 18h, la Ligue des Justiciers. Et on a pris un niveau avec notre ami ici. Un niveau en endurance. Ouais, bah go. Prenons ça. Et ouais, à 2 contre 1 ça passe mieux, ouais. On est d'accord. Ça va là, tu dépenses 100 litres de flotte, c'est la teuf. Va donc t'entraîner un peu. Ah, alors, il fait nuit, on va aller au pont. Voilà, on a un architecte. Je contrôle des trucs depuis que je suis gosse, après j'étais SDF, si vous voulez je peux vous apprendre une nouvelle technique de construction. Et on a un coach d'endurance. Donc qui serait utile pour Kenshi. Je pense qu'on va prendre le coach, parce qu'au bout d'un moment on arrive à une limite de niveau. Bon c'est la nuit donc il va rien faire, mais toi tu vas aller dormir pendant que le lit est libre.
Toi, tu vas aller mendier un petit peu. On va prendre une douche pendant que il y a de la, il y a de l'eau. Ça y est, ils ont vidé ma citerne. Pas très optimal la douche. Alors la Ligue des Justiciers, ils vont faire un petit peu chier. Hein. Est-ce qu'on a un combat à prendre là? Je crois pas la nuit. Il y a toujours sa quête ici, mais... Ah, j'ai trouvé quelqu'un. Comment j'ai fait pour trouver quelqu'un? Ah, c'est réponse. Ah d'accord, on leur a envoyé réponse. C'est hyper glauque. Putain. Oh non, c'est horrible. Ah putain, c'est horrible. Vas-y, vends-moi des graines de patates. Ah la vache, je m'y attendais pas trop là, j'avoue. Bon bah, une quête de fête hein. En fait, j'ai assez de sous pour recruter les deux, mais le problème c'est que pour pouvoir les recruter, il faut un banc pour pouvoir les mettre, donc il faut que je construise un autre banc avant. Et c'est là qu'est la subtilité. Non, mais toi va dormir. Ah ouais, ouais, c'est un peu trash là, je dis pas le contraire. Là. Bon, c'est dans 4 heures avec des justiciers, on va pas pouvoir aller faire de fight. Par contre, on peut parler à lui. Alors, il peut nous enseigner une technique secrète, le coup de boule, méditer ou le coup retourné. Si personne ne fixe ce personnage, vous donnez 55% de chance d'épuiser une cible et de concentrer tout le monde sur elle. Alors, Kenshi, au niveau de tes compétences, tu peux aller chercher plutôt ce qui serait en haut a priori, probablement le coup de boule. Ça doit être le truc du milieu. La méditation. Allez, on va prendre, on va voir comment ça fonctionne, tiens. Ça coûte que 2 balles, hein, donc c'est acceptable. Ok, c'est bien ça, c'est le truc qui est placé là. Plus 10 PV, et donc du coup, la méditation, si on va chercher... Après, le balayage... 15 à 14% de chance de renverser une cible qui ne peut ni se régénérer, ni attaquer ou être attaquée. Ne fonctionne que s'il reste plus d'un ennemi en vie. Ok. Et provoquer tous les ennemis. C'est pas mal ça. On va le débloquer. Hop. Donc normalement si tout va bien... C'est pas lui, c'est lui, voilà. On a débloqué par ici. Ok, d'accord, c'est ça. Les castors sont plus doux, c'est la fourrure ça. Oula, vous êtes parti dans une discussion qui m'a l'air particulière. Ouais, bah on va continuer de l'emmener vers Tank, je pense. Donc méditer, on l'utilisera peut-être pas, on verra. Mais la provocation sera très bien au level 10. Là. Donc il faut qu'on continue de l'entraîner à fond en agilité. Mais avant... ici ça commence à être critique. On va rajouter un peu de papier. Ah oui, j'avais pas vu que vous parliez de Timberborn, excusez-moi. C'est vrai, j'ai pas fait le rapprochement. Ah, c'est sûr que c'est un petit peu plus mignon. Là, on est plutôt sur un genre de Sheltered, mais trash, quoi. Ah, on peut pas améliorer l'endroit basique pour mendier. Il va falloir qu'on trouve l'architecte aussi, hein, mais... Là, il nous manque un petit peu de métal. On pourrait laisser tomber l'amélioration du lit et aller chercher du métal. Dans le prochain gros vol d'ordure. Mais d'abord, il faut que tu cuisines. On va prendre là le 30% de chance de cuisiner deux fois plus. Et c'est parti. Fais ta petite popote.
Hey, même un City Skylines est plus mignon là, ce compte là, c'est vrai que le jeu est quand même, c'est un peu comme disait Damned hier, il y a un côté rustler quoi. Le truc un petit peu what the fuck. Avec des bruitages un petit peu what the fuck. Oula, ils m'ont l'air vénères les mecs là. On dirait des gros tanks. Dylan et Serglage. Oh ça va. On devrait pouvoir s'en tirer. Donc eux, s'ils arrivent à nous battre, ils nous piquent de la thune. Allez, un stun, il est presque KO, c'est parti le deuxième. Voilà, le coup de pierre tourné dans le bide à bière du flic, ça fait toujours son petit effet. Non, fini de cuisiner, qu'on profite du bonus. Descente de police, c'est ça. Leur équipement était un petit peu trop lissé. Bon après elle je pourrais la renvoyer et prendre l'architecte à la place, hein, ça s'entendrait. Toi tu vas ici, toi tu vas faire la popote. Ok, on a fait pas mal de bouffe, on a encore de quoi faire donc vas-y. Normalement il prend tout seul la recette la plus optimale, ouais c'est ça. Et après on aura plus d'ingrédients. Toi tu commences à avoir froid comment, 45% ça va. On va essayer d'aller se faire des petits fights là. Genre la bête chargement. Je vais te battre comme ton père parce que je t'aime chérie. Comment oses-tu m'interrompre pendant une session spirituelle? Tu veux te battre? Laisse-moi juste le temps d'aller chercher mon rat. Ok, donc il va se battre avec des rats? Non, même pas. Ah, ils sont énervés quand même. Et ils commencent à avoir des déplacements aussi. Kenshi prend un peu le fer. Aïe. Noah et KO, Kenshi va pas tenir tout seul. Hein. Aïe aïe aïe. Bon, bah on n'est pas encore prêt. La prochaine fois que je te vois, je te saigne un coup de tournevis rouillé, mais t'en fais pas, je vais élever tes enfants. Ils sont quand même bien atteints les mecs. Non, toi tu vas dormir. Toi tu vas là. Ça te réchauffera un peu. Et puis il faut se faire les bras un petit peu là. Hein. Et le jeu est un peu trash, hein. On va pas se mentir, Ardarine. C'est carrément trash. On va finir ça et après, voilà, on va aller dormir. On va profiter de son bonus et après je pense qu'on va là, on va se séparer de la danseuse. Ah là on a notre niveau, ça c'est bon ça. Niveau en agilité, donc on a dit qu'on allait chercher le mouvement mortel. Et après on va continuer de s'entraîner pour le vif. Allez au pieu Noah. Ici on peut planter des patates, c'est parti. Et toi au taf. Le vol d'ordure est dans 8 heures, on a le temps de reposer Noah, de faire une session d'entraînement et de reposer Kenshi. Alors c'est pas Touka, c'est Grab the Game. Ils font un certain nombre de jeux du style au final. Hein. Notamment ils font Recon Control, Run Gore aussi, le jeu que j'ai présenté hier, c'est eux. Des jeux un petit peu YOLOLO. Allez, on va être prêt pour le grand vol d'ordure, on va réessayer de choper un petit peu d'électronique. Shobiti doit pomper la cause, c'est reparti en vrille. Eh bah écoutez, elle vient de passer derrière moi et de retourner dans sa chambre, donc, enfin dans sa chambre, dans sa pièce. Sa chambre, n'importe quoi.
Donc c'est possible. Elle dit qu'elle fait rien. Nous serons obligés de la croire sur parole. Ah merde, il m'a stun malgré que j'ai bloqué, dommage. Heureusement, on en a mis un KO. Voilà, ça passe. Et avec ça, est-ce qu'on va être capable d'améliorer notre lit? C'est 5 qu'il en faut. Oh la vache, ça fait mal. Allez, retourne dormir. On peut pas faire de banc, donc du coup, on va terminer ce bonus et on va se séparer de la danseuse. Non, on va dormir et toi, va t'entraîner. Tu commences à avoir vraiment froid ou ça va? 40% ça va. Nous croivons la grande démon, bah quand même, ouais, j'espère. Manquerait plus que ça, Ardarin. Ok, tu manges un petit morceau, juste au moment où l'autre se lève. Il reste 11 heures avant la vengeance des titans. Oula, c'est en train de s'éteindre là. On va mettre un petit peu de thune dedans. Et ça, j'imagine que si on trouve les outils pour l'ouvrir... Quoi ? Va ici. Oui, je sais, Ardarin, tu parlais de la danseuse, pas de Chobiti. On est bien d'accord. Ouais, les plantes tiennent le coup, là. J'ai remis un petit peu de flemme. Arrêtez, elle va débrancher la connexion. C'est dingue. Bon, son bonus est terminé. Demain, on la gère. On va juste se reposer pour la vengeance des titans. Pile poil. Tiens, mais d'ailleurs, il est passé level 10, lui, ça veut dire que je peux lui mettre une compétence de plus. C'est qui ça? Ah, c'est le Naraiden. Avec son tourniquet de paix là. Ok, ben go. Oh, le coup de coude qui m'a mis, ça pique. On récupère un peu de sous. Est-ce qu'avec les quêtes qu'on a faites, on n'aurait pas débloqué d'autres zones? Non, hein. Pour l'instant, non. Non, il faut qu'on fasse plein de combats pendant la journée pour les nettoyer. Toi, du coup, t'as ton level 10, on peut te mettre une combe de plus. Tu l'as pris où ton level 10 ici? Alors du coup, est-ce qu'on peut aller au-delà du level 10? Je sais même pas, hein, ça se trouve non. On va garder les points de compétence. J'hésite entre prendre un coach de force et un architecte. C'est vrai que ça pose question. Blah. On a récupéré un petit peu d'eau là avec la neige. Eh bah tu t'es fait piquer le lit, Noah, c'est comme ça. Allez, toi, on va le renvoyer, on libère un banc. Alors est-ce qu'on peut retourner la recruter du coup? C'est dans la banlieue, chez les mécaniciens. Ouais, on peut retourner la recruter si on veut. Si on voulait, on peut. Ok, bon bah c'est parfait du coup, pas de raison de s'embêter. Toi debout, toi tu vas aller dormir.
Allez, dès qu'il est plein, on repart en expédition. Allez, c'est parti. Ici, on commence à avoir bien fait le tour. Il reste des quêtes ou des gens à recruter. Des trucs à acheter. Là, c'est des trucs à acheter. Là, c'est la danseuse. Là, il y a lui qui nous vend des hot dogs un peu chers à mon goût. L'air de jeu. Coach d'agilité. Non. Agilité, c'est vraiment le truc accessoire pour nos persos pour l'instant. Et là, on a du fight à faire. Donc la dernière fois, ils nous avaient dépouillé, eux. On va peut-être aller taper sur les gens de Tony Pizza pour voir. Lui, il est tout seul. Ah, on peut envoyer qu'une personne. Ok, alors du coup, t'as quoi? L'esquive, le coup de coude, le blocage. Non, ça c'est moi. Le coup récursif, le coup rapide, le coup explosif et le crochet. Gros pourcentage de chance de stun quand même, mais nous aussi. On va y aller. Il y a quand même plutôt un gros sac de PV avec ce perso. Et bim! Un de moins. Là. Ils ont quoi? Oh bah ils sont gérables. Level 6, level 6. Je pense que même avec le Noah un petit peu endommagé, on peut le faire. Ah merde, ils m'ont stun, ça c'est pas cool. Ah moi aussi. Un de moins. Et bim, le 27. Fait plaise. Bon, là par contre, on a un petit peu trop souffert pour enchaîner. 3 sur 5, oui, bah oui, ok, ils sont 2, donc ça sera 5, c'est ça. Hop, toi tu vas dormir, toi tu vas... ramasser un petit peu. Ok, toi t'es remis. Lève-toi. On va poser lui et on y retourne. Ah ouais, ouais, au bout d'un moment, hein, faut savoir montrer aux gens qu'on est sérieux. Ah, il fait de nouveau 2 degrés, c'est cool. Là, ça doit bien remplir notre citerne. Tu vas aller prendre une douche, toi. 2 degrés, normalement, il faut encore de la température pour les plantes. Mais le reste, ça va. Ok, vous êtes remis. On va se finir. Tommy's Pizza. Tu vas nous piquer nos pizzas? Je les ai déjà piqués, il n'y a plus de pizza, mec. Je suis passé la nuit. Allez, go! Mais j'avais pas vu, mais Noah il a une barbe maintenant. À force de pas pouvoir se raser. Excellent. Il a une super barbe. Tu m'as fait éclater comme un bouton. Ah la vache. Ok, on a nettoyé. Et donc là, on va pouvoir lui acheter des pizzas pour 1,25. Toi t'es qui? Créer un meilleur drapeau pour recruter davantage de clodo. Ah! D'accord, donc là on pourrait le recruter, mais on peut pas. Un meilleur drapeau. C'est ce truc là, là, j'imagine, le drapeau. Donc il nous faut un architecte, ok, bon bah ça met le thème, il nous faut un architecte. On va aller chercher ça. De nuit, dans la zone du pont. Grand vol d'ordure dans 5 heures, on va essayer de choper un petit peu de métal ou électronique. On sait pas ce qu'il faut. Ah si, on peut améliorer? Non, on peut pas améliorer. On aurait ce qu'il faut pour améliorer parce que le bouton est vert, mais on la connaît pas. Voilà qui est intéressant. Là c'est pareil, on pourrait améliorer mais on sait pas. Là on peut pas améliorer. Les torches, on peut pas les améliorer. Le feu, on peut pas l'améliorer. En fait, en gros, ce qu'on connaît, on sait pas l'améliorer. C'est pas cool.
Avec le coup du bouton, bon appétit. Et bah bon appétit, Kenton. Quelque chose te dérange peut-être. Ce magnifique jeu tout en subtilité. Noir total. Ok. Alors c'est dommage que les événements, on sache pas ce qu'ils font. C'est un petit reproche qu'on peut faire là. Ouais, on va se battre toujours pour de l'électronique. Parce qu'on a besoin d'électronique pour notre lit, hein, les mecs, ils sont modernes. Hein. C'est quoi ça? Effroi. Tous les objets proches de vous s'enfuient pendant 3 secondes. Ah ouais, d'accord. Intéressant. Ah, du coup, ça fout un peu la merde dans la ligne de bataille, quoi. Allez, Noah! Voilà, venge Kenshi. Bah ouais, ça fait un moment que j'essaye d'être à 3, mais malheureusement, c'est compliqué. T'étais en train de dormir, toi? T'étais en train de faire quoi? Pourquoi tu peux pas aller dans le lit? Pourquoi personne ne peut aller dans le lit? Et qu'est-ce que c'est mon lit? Ah non, il fait trop noir, donc on peut pas dormir. Ah, on peut rien utiliser parce qu'il fait trop noir. Et si je mets un petit peu d'eau dans le feu, c'est mieux? Un petit peu d'eau, un petit peu de papier dans le feu. Alors bon, on va avant d'oublier, on va aller regarder un tour au port. Looter un petit peu. Là, qu'est-ce qu'il fait? Mes sirènes sont malades. Que faire? Pouvez-vous m'aider? Il veut des antibiotiques. Ah oui, d'accord, il les envoie Siraben. Il les envoie ramasser des ordures pour faire sa drogue. Sympathique. Un petit peu de métal, parfait. Là y a rien. Alors, toi t'es quoi? Coach d'agilité. Non. Et lui il nous vendrait du coup sa drogue. Ok, très bien. Ici, rien d'autre. Il faut qu'on fasse les combats de la journée. La nuit ici. On avait un danseur, mais ça nous intéresse pas. Et on pourrait dépouiller ce Tony. Ah, et lui il est pas content si on va le dépouiller. Merde, par contre on n'est pas en état là et on peut pas annuler le fight. Bon bah go. Putain la vache, il est un petit peu énervé le monsieur. Ouais, Noah il est fatigué malheureusement. Je pense qu'il aurait peut-être pu gérer. Ah, ça peut le faire, il a mis une hémorragie. On est fatigué malheureusement. Oui, il est mort d'hémorragie, c'est beau ça. Ah ah, merci d'avoir ouvert la porte pour moi. Il faut une caisse à outils pour ouvrir. Mais on a une quête avec une caisse à outils. Et ici, on a pris un petit level 11. En force. Bah on va prendre ça. Faute de mieux, en attendant. Allez hop. Bon ok, pourquoi pas. Tony's Pizza, c'est un petit peu dur, mais voilà. Je suis désolé. Et donc là ici on a un architecte. On va le prendre, on va voir ce qu'il nous propose. Ah bon, après il fait nuit. Tu vas où toi? Par contre on peut rien faire vraiment. Vraiment rien faire. C'est chaud quand même hein. Il fait trop noir donc on peut rien faire. Bah du coup on va en profiter pour arrêter l'épisode là s'il fait trop noir. Donc vous pouvez lancer un petit au revoir à la VOD si vous voulez dans le chat si le décalage n'est pas trop grand. Pendant ce temps là je bois un petit coup. Et je vais vous dire merci à toutes et à tous pour avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Laissez un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.